Donc là, on arrive en plein cœur du club. Hein, c'est ça, le club, donc plus connu sous le nom du Club Med. Ouais. Voilà, on arrive vraiment. C'est magnifique. À des Français. C'est un des plus beaux clubs du monde, hein, je crois. C'est ça. C'est même le plus beau. Ouais. Le plus beau, le plus beau. Ça, c'est un employé là qui travaille chez nous. D'accord. Lui, c'est technicien, c'est ça? Ouais, technicien au niveau de la piscine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui s'occupe de la piscine? Vous occupez de la piscine, c'est ça? Vous visitez nos installations? Oui, tout à fait. On prend un mojito d'abord ou? Bah, écoutez. Avec plaisir, mais bon. Ça va être plaisir, mais là, comment on check sur la qualité, des prestations. Voilà. Non, voilà. Donc là, en fait, on va aller prendre un mojito pour la qualité. Alors, bonjour à tous. Nous sommes de retour sur l'île de Sanoa. Je vous rappelle qu'on est à Punta Cana avec un des responsables de notre voyage, Michael Auboin. Michael, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Michael, pourquoi cette île de Sanoa et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, l'île de Sanoa, je vais vous le montrer. Par rapport à son sable, voilà, le sable le plus fin du monde. Ouais. D'où le nom, le sable fin. Ah, d'où l'expression. Voilà. D'où l'expression. Ça vient d'ici. D'où l'expression, la plage de sable fin dont tout le monde parle, voilà. C'est ici. Alors là, on fait un peu le tour de l'île. Tu peux nous raconter, parce que là, c'est un peu abandonné. Alors là, on s'engouffre en fait sur un prochain terrain qui va être très, très, très hôtelier. On va tout raser, tout bétonner pour faire quelque chose de très beau. Voilà, on va amener un petit peu de béton parce que les paillotes en bois et tout ça. Voilà, c'est plus dans le temps. Et pour que l'île continue vraiment à progresser, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros business Bien sûr. Punta Cana, République Dominicaine. On va mettre justement du béton. Là, Michael, on rentre en fait dans le cœur de l'île. Bon, en fait, on n'est plus sur la côte. Voilà, ce qui se passe ici par rapport au complexe hôtelier, c'est que ça, c'est un terrain qu'on n'a pas encore acheté. Et voilà, les personnes ne veulent pas trop nous voir ici. Mais je veux quand même vous montrer ce qu'on risque d'acheter d'ici peut-être un ou deux ans. Ouais. Voilà. Après, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc, si je dis hop, on s'en va. D'accord. Très bien. Très bien. Parce que là, on s'aventure. Là, on s'aventure vraiment. Donc là, on arrive, Michael, on est sur un autre côté de l'île, voilà, c'est ça. Bah, je voulais vous le montrer. Voilà. En fait. Ah oui, mais là, c'est la plage de sable fin. Là. C'est vraiment ça. Hein. C'est la vraie plage de sable fin. Voilà, comme je disais. Donc. Voilà, comme quoi il y a vraiment un très beau complexe à faire ici. On a déjà commencé à installer quelques chaises longues. Vous avez anticipé, avant de faire les fondations, vous mettez quand même les transats. Ouais, voilà, mais je pense que c'est important. Oui, non, bien sûr. Pour se rendre compte aussi de ce que ça va donner. Ouais. On est sur du 8 étoiles ici. Hein. C'est de la plage 8 étoiles. C'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas en Europe. Mais nous, on va le mettre en place ici. Très bien. Très bien. C'est vraiment magnifique. C'est une des 10 plus belles îles au monde, hein, oui, de toute façon. Oui, tout à fait. Des plus belles destinations. Qui est très, je vois un petit shooter de marijuana qui est l'alcool d'ici. C'est l'alcool d'ici, d'accord. C'est ça, exactement. C'est vraiment très sympa. Il y avait une marche. Oui, il y avait une marche. C'est pour ça qu'on va tout bien lisser hein, sur. Bien sûr. Donc là, Michael, on est où là en fait? On est au niveau du bar du catamaran pour le retour de. Là, c'est le bar. Vous buvez quoi? C'est un alcool local? C'est un alcool local, un goût de citron. Parle à fort parce qu'on s'entend pas bien en fait. Citron, rhum, alcool d'ici quoi. Et tous ces gens en fait font partie d'un groupe, comment ça se passe? Non, c'est les gens qui nous entourent, c'est les techniciens en fait. D'accord. Voilà. On se retrouve tout à l'heure sur Punta Cana, rendez-vous donc au Club Med ce soir au Select. On rencontre. Céleste. On retrouve Céleste, petite troupe de joyeux lurons. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc là, Michael, on arrive on va arriver sur quoi? On est où là? Baïbé, c'est ça? Ouais, Baïbé, un peu. Merci aux techniciens quand même qui suivent l'émission depuis le début de l'après-midi. C'est ça. On vit très vite, c'est ça s'appelle comment? Speedboat. Des speedboats, ok. Ouais, faut que ça aille très vite là. Ok. Faut qu'on speed là pour rentrer là. Donc là, on a rendez-vous donc au club pour une soirée échangiste, c'est ça? C'est ça. C'est ça le septembre. C'est ça, échangiste à poil partout. Ok. Très, très simple. Je te propose, parce que la journée a quand même été assez intense, c'est qu'on va se détendre un petit peu vite fait là, dans un club privé. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, ici, il faut savoir que l'hôtel a à peu près une vingtaine de clubs privés. Donc là, je t'emmène vraiment au private club. Suis-moi. Ok. Tout ce qui se passe au niveau nightlife à Punta Cana se fait au Céleste. Et ce soir, on va tous boire du Coca-Cola. Alors, quelle heure il est là? 6h du mat. Bonsoir, 6h du matin. Punta Cana, c'est un peu la fin de la soirée. Je prends un whisky. Donc en fait, le gros problème, c'est ça. Vous voyez, à droite, à gauche, une ambiance vraiment merdique. Fais gaffe, fais le truc de la paille. Non mais bon, la soirée était bien, les gens étaient contents, surtout les clients. Nous, techniquement, pas terrible. Ah, le sang remonte. En fait, on repart. Thank you.
passer. Mais c'est de la coke, c'est de la pure. Ah bon, c'est de la pure. Bah, c'est marqué dessus. Pure cocaïna. Voilà. Donc, magnifique prise quand même. Ah super. Ouais, là je suis content. Mais il y en a beaucoup hein, sur cette plage. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que la semaine est très chère. La semaine est excessivement chère parce qu'il y a de la coke. Bon, c'est ce qu'on aime mettre dans nos clubs. Hein, voilà. D'accord, très bien, merci. Ouais, donc Adrien, un des plus vieux géos du Club Med, hein, ça fait déjà 40 ans qu'il est ici. On dirait pas, mais c'est ça. Ça laisse. Mais Adrien n'est pas que géo, quoi. Non, avant d'être géo, j'étais. En fait, je suis plombier de métier, donc plombier chauffagiste. Je débouche les tuyaux, j'installe les toilettes, je fais tout ce qui est tuyauterie finalement. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec. Toujours. Un rapport sexuel. Toujours. D'accord. Toujours, voilà. C'est pas un job comme ça parce que. Non. Adrien. C'est ça qui m'a amené à faire de la plomberie. Ah, voilà, voilà. On est d'accord. Ouais, voilà. C'est ce qu'on voulait savoir. C'est super d'accord. Que tu nous l'aies dit parce que tu. D'accord, tu débouches. Et du coup, c'est devenu une passion pour moi. Ah oui, là-dessus. Les tuyaux. Ouais, voilà. Donc pour moi, une cliente bien satisfaite, ça vaut toute l'or du monde. Oh, ça, c'est beau ça. Et donc, tu exerces sur Montréal? J'exerce partout en partout. Monde. Partout. Partout au monde. D'accord. Ça va, Nick? Oui, toi? Nickel. C'est que je vois tout le personnel du club. Donc là, t'as vu tout le personnel, c'est plutôt sympa. Salut, les gars. Voilà. Ah, les amis aussi qui sont là. Là, Mickaël, on est à la boutique du club, en fait, c'est ça? Ouais, c'est la boutique du club et tout ça. Bon, voilà, il y a pas mal d'employés qui sont là. La boutique fait à peu près 2500 m². Voilà, c'est une boutique assez simple. Là on est au service informatique de la boutique de Punta Cana du Club Med qui a un gros souci. Apparemment qu'est-ce c'est une mode. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ah, la maîtresse est très en colère par rapport. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne. Ah, je vais pas imprimer le ticket. Oh là là, on est reparti pour 5 heures d'attente. Non mais on va comment on va faire? Ben, je sais pas. Merci. Merci bien. Super. Excellent retour à vous. Non. Tu peux acheter quelque chose? Pardon? Tu mérites 30%, c'est gentil. C'est ça. Vrai? Ah, c'est super sympa ça. Ah, c'est vrai? Ah, c'est super gentil. Ah, bah madame, alors là. Non, mais en même temps, c'est un peu ma boutique aussi. Donc... Michael, on arrive à l'aéroport de. De Rio. Voilà. De Rio? Ok. Là, on est à Rio. Donc là, on va visiter quoi en fait à Rio là? Eh ben là, je suis pour un projet immobilier complexe un peu. Très night, un complexe 10 étoiles, c'est pour après, on est sur du... À 10 étoiles, donc on passe du 8 étoiles Punta Cana sur un 10 étoiles. Ouais. Mais bon, on est à Rio, donc c'est autre chose quoi. Je sens que ce soir, je vais conclure. C'est que tu me sidères, Jean-Claude. C'était vraiment très intéressant.